Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Coco. On est de retour pour un deuxième épisode et bien des tutos de nous avec Skydome. Coucou. Coucou, ça va? Ouais, tranquille, tranquille. Franchement, content de te revoir hein, pour le troisième entre guillemets des tutos de nous. Ouais. Voilà, même les commandes blog vous dit bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire les petits blocs et les géants blocs. J'ai un exemple parfait ici. Waouh. Sur notre belle maison. Quoi? Sur notre belle maison. Bah oui. Qu'est-ce que tu fais là, dis donc? Alors. Alors, pour faire pareil sur votre serveur ou n'importe où, eh bien, on va vous le montrer. Parce que c'était ici. Hop. Voilà, donc on a le géant bloc qu'on voit ici là-bas et on a le petit bloc les petits qui est petit hein, qui voilà. Voilà, il fait même pas la tête d'un bonhomme. Et alors, donc voilà, alors la commande de c'est simple, elle est assez longue. Voilà, donc elle commence voilà ici. La peau elle va jusque ouais. Elle est assez longue, c'est vrai. Oui. Mais bon. Alors, ce qui est long, eh bien, est cool. Et puis, regardez, enfin, je pense que c'est pas mal comme déco, comme là, par exemple, on l'a mis au sommet d'une maison, mais on peut cacher la commande, enfin, le commande bloc. On peut le cacher tout simplement, voilà. Et puis, vous faites votre maison, et puis, je sais pas, vous choisissez, donc, on va vous le montrer. On peut mettre tous les blocs en fait. Alors, il est jusqu'à où déjà? Oui, c'est ici. Donc ici, vous voyez, il y a command block. Donc idée, command block, c'est simple. Ici, vous changez juste, vous mettez les blocs que vous voulez. Donc tous les blocs de Minecraft quoi. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre la dirt, comme voilà. Oui, ça marche. Voilà. Puis vas-y, montre-nous sur les petits blocs. Parce qu'en fait, on peut le faire. Alors, comment on peut faire apparaître ces blocs? Surtout que ça bouge, donc c'est bizarre. Donc, pourquoi en fait ça apparaît comme ça? Faire Game Mode 3 et en fait, c'est un giant zombie à l'envers et invisible. Alors, si tu fais Game Mode 3, on le voit. Et donc ça c'est pas mal. Donc en fait c'est lui qui porte le blog, voilà. Et qui est en dinner bone, ça. Ouais, ouais, donc ouais, il est transparent. Alors je sais pas comment tu l'as fait. Enfin comment t'as fait pour le mettre transparent. Comment. Attends, c'est dans la commande. Ouais, attends. Ouais. C'est avec les potions. Les effets de potions. J'en ai mis un. Et je lui mets en amplifié, c'est-à-dire il reste tout le temps et... Amplifié, duration 999. Ouais, voilà, c'est... Active effect, d'accord. En fait, c'est l'invisibilité qu'il a, en fait. Ouais, voilà, c'est de l'invisibilité. D'accord. Donc en fait là il bouge, pourquoi? Parce que il l'a dans la main en fait. Et donc là par contre ce bloc là ne bouge pas. Alors pourquoi? Je sais pas si on se met en game mode 3 ça marche. On voit ou pas? Ouais, on le voit. On voit l'armor stand là avec avec des bras. Voilà, donc ça c'est un armor stand qui porte le bloc, donc ça c'est pas mal. Et donc pareil là-bas on peut voir. Ah non, par contre lui on le voit pas, tiens. C'est pas mal. Ça. Ah non, il a été retiré. Ah oui, tout à l'heure j'ai fait. D'accord. Voilà. Et après pour le petit. Pour l'armor stand, on n'est pas obligé de remettre la commande. On a juste à cliquer sur l'armor stand et on peut changer le bloc. Alors puis une épée et tout. Ah ouais, pas mal. Ouais. Pour effrayer les joueurs qui arrivent comme ça, qui voient ce bloc. Comme ça dans le vide, volant. Je pense qu'ils vont se poser des questions. On va faire des petites farces ou des décos comme sur le sommet des maisons. Par exemple sur vos châteaux aussi, hein, vous avez peut-être un bloc que vous aimez ou un bloc qui est
Bah, enfin, qui est avec le château ou la maison que vous voulez, quoi. Qui est en rapport avec ce que vous faites. Ça, c'est plutôt pas mal comme déco. Voilà, ça fait bien flipper. Attends. Donc oui, alors pour retirer bien ces blocs, hein, on a juste à tuer le zombie invisible ou à détruire bien l'armor stand Ouais. qui est juste là. Ça, genre, pour tuer les zombies géants, c'est ça la commande. Voilà, donc pause, hein, pas de soucis. Et pour la mort stand, c'est ça. Et bah voilà. C'est plutôt cool comme déco et tout. Bon, on sait que ce n'est pas très que ce n'est pas enfin dans Minecraft vous allez pas trop l'utiliser, enfin c'est pas non plus très utile, mais ça peut être un truc de déco ou Oh waouh. C'est pas mal. Parce que si on parce qu'on peut placer les zombies un peu plus haut, enfin. ouais, attends, je me tue. L'épée à la volée. Ça c'est pas mal ça. Si on peut mettre le zombie un peu plus haut, voilà. Ça c'est pas mal pour une entrée dans faites une porte et tout autour de l'épée. Et comme ça avec de chaque côté une épée. Comme ça vous entrez dans je sais pas ce que vous voulez. Ça, ouais franchement c'est un bon truc pour une déco. En plus ça bouge et puis c'est pas mal. Franchement c'est pas mal. Alors qu'est-ce que l'intérieur d'une épée? On peut pas voir. Non. Alors, ça c'est pas mal. Et donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme bloc? Alors, ah oui, je dois faire. Attends, je crois que ça. Je sais pas si c'est bon. Si c'est Ouais, bon. ça va. Ça fait bien rêver, ça. Oh. Attends, rien. Un gros bloc comme ça. Et est-ce qu'on peut augmenter la taille des blocs? Non, ça on peut pas vu que c'est propre à la taille du zombie. Ouais, d'accord. D'accord, oui, ça fait bien. Ça, c'est cool, ça. Pareil, hop, vous allez dans les blocs et puis vous choisissez ça par exemple et hop, j'y arrive. Non, j'y arrive trop. Ah si, voilà. Ok, voilà. Puis le truc qui fait bien rêver, eh bien forcément, c'est où déjà? Veux-tu te mettre? Merci. Voilà. Là. Oh voilà. Oh là là. Ouais, il est bien. Le mec bien friqué. C'est trop beau. Attends. Faut vraiment enlever mon train. Ça fait quoi? Plein de zombies empilés, ça fait bizarre. On dirait qu'il tombe au ralenti en fait. Hello, ça fait une petite slow motion. Ouais, c'est ça. Pas mal. Pas mal du tout. Donc voilà, bon je sais que ce n'est pas une commande très utile, mais une commande qui peut être décorative si vous faites pas pareil comme ici. Donc pas de soucis, je vous mets la commande dans la description. Si vous avez un souci avec la commande que la commande est ou ça ne marche pas, il n'y a pas de soucis, hein, vous pouvez m'envoyer un message par YouTube en commentaire. Il n'y a pas de soucis. Et puis donc voilà. Bah, merci Skydon. Mais de rien. Et donc bah, on se retrouvera pour un troisième épisode. Voilà. Au revoir. Au revoir. Ciao.